Bonsoir. Aujourd'hui, à notre direct, je m'entretiendrai avec un invité tout à fait spécial. Probablement un des seuls à qui nous avons permis de s'exprimer dans les médias traditionnels. Je vous le présente immédiatement après ce qui suit. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. D'entrée de jeu, j'aimerais seulement vous réitérer que vous pouvez toujours nous écouter sur les différentes plateformes de médias sociaux que voici. Notre chaîne Vimeo, notre chaîne YouTube, et par le fait même, en parlant de chaîne YouTube, juste vous rappeler que nous diffusons l'émission en direct également sur YouTube. Après le direct, on efface l'émission, on garde seulement l'introduction avec tous les endroits où vous pourrez trouver les liens où vous pourrez nous réécouter en différé. Vous pouvez également nous écouter sur notre page Facebook et notre site internet au www.theovox.tv. Vous trouverez également tous les liens dans le descriptif de cette vidéo. Mon invité d'aujourd'hui, il a pratiqué la médecine familiale à Ville d'Anjou pendant 23 ans. Au mois de juin de l'an 2000, il décide de donner une nouvelle orientation à sa carrière en se consacrant à l'enseignement des méthodes de réduction de stress. Et Dieu sait qu'on a besoin peut-être encore davantage aujourd'hui de ces méthodes de réduction de stress pour faire face à tout ce qui arrive à travers le monde. Il a animé pendant une quinzaine d'années un atelier de réduction de stress au centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal, et ce jusqu'en 2019. Les mesures actuellement en place pour contrer le COVID sont venues mettre un terme à cet atelier. Il est père de 4 enfants, grand-père d'un petit-fils et demi parce qu'il y en a un qui est en voie d'arrivée. Il est également co-auteur du livre « Les 4 clés de l'équilibre personnel ». Il est marié depuis plus de 30 ans à Mme Chantal Raymond et il est également porte-parole du collectif « Réinfo COVID ».